Ça s'est fait de manière accidentelle, c'est le cas de le dire, au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que nous sommes partis, ma femme et moi, en vacances pour la première fois depuis après 22 ans en Grande-Bretagne. Là, c'était en Écosse. Et nous avons loué une voiture. Et au bout de deux jours, nous avons eu un grave accident de voiture sur la route, la 82, au bord d'un loch. Et j'ai eu très peur pour ma femme. Et après le temps d'être un petit peu rassuré, ben, je tournais un peu en rond en attendant qu'on nous apporte une voiture de remplacement. Et c'est là que le souvenir de l'accident, évidemment tout immédiatement de l'accident de notre fils Martin, mais que l'accident de Senna m'est revenu à l'esprit. Et en fait, tout s'est enchaîné. Et tout très vite, je me suis aperçu aussi qu'on était le 15 août, que c'était le jour de l'Assomption, que c'est dans la tradition chrétienne le jour où le Fils rejoint la Mère au ciel, et que cette espèce de conjonction entre notre accident, l'accident de Martin, et la mémoire de l'accident de Senna, a fait que je me suis dit que je devais écrire ce livre. Le choix, en fait, il s'est fait très très vite. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'évidence de ce titre à tombeau ouvert, à la fois parce qu'il signifiait, c'est-à-dire d'aller très très vite, donc c'est quand même une vieille expression française qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, qui est une espèce de doublon d'ailleurs d'une autre expression qui est « à bride abattue », enfin, qui montre la vitesse. Mais dans cette expression, ce qui m'a toujours frappé, c'est la présence du tombeau, c'est-à-dire qu'on va tellement vite qu'on est devant comme si le tombeau était ouvert, qui a en fait l'idée qu'on va au-devant de la mort. Et l'expression est belle. Après, il y a le fait aussi, je parlais d'Assomption, le fait aussi que ce tombeau ouvert, c'est quand même dans la mémoire collective, en tout cas dans la mienne, par la connaissance et le goût que j'ai de la peinture, notamment le tombeau de la résurrection, c'est-à-dire le tombeau du Christ, et ce tombeau qui évidemment est ouvert, puisqu'il en est ressorti. C'est-à-dire que dans cette image d'un tombeau ouvert, on a à la fois la mort qui est celle de Senna, malheureusement celle de Martin, mais qui est aussi l'image, l'hypothèse d'une résurrection, d'une forme de résurrection. Et en l'occurrence, ne croyant pas à la résurrection biblique, à la résurrection chrétienne, moi, c'est une espèce de pauvre résurrection, de misérable résurrection, comme Henri Michaux aurait employé le mot misérable, et une résurrection qu'on espère ou qu'on voudrait rendre par les mots, par ce qu'on appelle la littérature, par un livre. Et ce livre est à la fois le rêve, l'espoir, le leurre de rendre et Senna d'une part et Martin d'autre part un peu plus vivants qu'ils ne sont. À la fin du XIXe siècle, Mallarmé a écrit beaucoup de tombeaux et je ne prononce pas son nom par hasard parce qu'il y a depuis longtemps, je pense à ce qu'on appelle d'ailleurs un tout petit peu improprement, parce que ce ne sont pas les mots de Mallarmé, le tombeau pour Anatole, puisqu'il a on a publié, c'était Jean-Pierre Richard, 202 feuillets que Mallarmé avait écrits, qu'il n'avait jamais publiés, qui étaient consacrés à la mort de son petit garçon Anatole, qui avait 8 ans, et qui était mort de maladie, d'hydropisie à la fin du XIXe siècle. Donc oui, écrire un tombeau, c'est aussi paradoxalement essayer de rendre vivant les disparus. Et donc vous parlez de tombeau, enfin il y a tombeau, sculpture. Et ce qui m'a frappé en l'occurrence pour Senna, puisque je me suis rendu
à Imola, le lieu où il est mort, donc là où il a eu son accident, il est sorti de la piste. Il y a une statue de lui qui a été inaugurée quelques années après. Et c'est comme un tombeau, c'est-à-dire c'est une sculpture qui est comme un tombeau. Et on le voit d'ailleurs sur plusieurs faces, où il est reproduit sur plusieurs faces comme voilà, des tombeaux antiques, et c'est assez touchant. J'ai essayé de rendre vivant, voire joyeux, c'est-à-dire que c'est notamment dans mon avant-dernier livre que j'ai publié il y a 2 ans, qui s'appelle « Les dernières nouvelles du Martin Pêcheur », où j'avais dit, contrairement au récit que j'avais écrit il y a 20 ans, plus de 20 ans, qui s'appelait « Martin cet été », que j'ai jamais relu, donc je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais que enfin, on me dit très aimablement, et ça me touche toujours beaucoup, que c'est un livre malgré tout d'une certaine lumière. Mais en tout cas, moi je le sens avec le recul plombé par la tristesse et aussi plombé par une certaine injustice, dans la mesure où dans ce livre que j'avais écrit sur le coup, je parlais de mon fils, et que depuis j'ai pris l'habitude beaucoup plus justement de parler de notre fils, c'est-à-dire que c'est pas le mien seulement, c'est celui de ma femme et de moi-même. Et donc, voilà, c'est notre fils. Et dans ces dernières nouvelles du Martin Pêcheur, l'idée, la volonté était de... Ça, je ne montrais rien, je ne démontrais rien, mais d'essayer de faire entendre, en tout cas, que le deuil, parce que je continue de penser qu'on reste inconsolable, en tout cas d'un deuil pareil, le deuil d'un enfant, que le deuil était compatible avec la joie. Parce que je constatais bien que malgré ce deuil, malgré cette tristesse, malgré la moitié de notre cœur qui reste consumée par cela, la joie avait repris place. La joie avait repris place avec nos autres enfants, avec nos petits-enfants, avec toute une série d'occasions. Et en fait, c'est cette attitude, je veux dire, que j'ai retrouvée dans à tombeau ouvert, dans cette espèce de portrait de la vie et de la mort de Senna. Et j'ai essayé de rendre Senna donc vivant, joyeux, parce qu'il avait un côté joyeux. Il y a des choses qui sont quand même drôles, légères, de manière à ce qu'on ne soit pas plombé, surtout dans une histoire de course automobile, par l'omniprésence de la mort.